Bonjour à mes abonnés. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo euh, concernant le sirop d'érable cette année. Bon, j'ai commencé à goûter au sirop cette année, et puis malheureusement, j'ai détecté la présence des polluants dont je vous ai parlé dans mes différentes vidéos sur l'évolution de la contamination par le chlorure de vénile et de toutes ses transformations euh, dans l'environnement et aussi lors de sa combustion euh, suite à l'incident d'Ohio. Donc, je vous recommande fortement, euh, malheureusement, de ne pas consommer du sirop d'érable de cette année. Okay, retenez bien l'année 2023, vous ne voulez pas consommer du sirop d'érable de l'année 2023. Euh, Peut-être que dans des régions très éloignées comme la Gaspésie ou des choses comme ça, bon euh, euh, le sirop il serait bon quand même. Là. Mais pour ce que j'ai goûté ici, euh, disons de toute la rive sud jusqu'à Tetford Mines, La Beauce, euh, Montréal, les Bosses Laurentides, les Hautes Laurentides, euh, c'est pas. Euh, ça goûte comme le, le plastique brûlé. Okay, euh, donc il y, y a ça dans le, disons dans la digestion. C'est sûr que quand tu manges le sirop, tu ne le goûteras pas parce que c'est sucré du sirop et ça cache tous tes autres goûts, mais euh, pour avoir fait le test dans la dernière semaine, euh, jusqu'à présent, ça va. la conclusion. Donc j'aimerais vous aviser d'être à l'écoute de tout ça. Si vous avez à consommer des sirops d'érable, ben, allez-y pour euh, des années qui sont précédentes. Euh, Puis il va falloir comme euh, oublier cette année là parce que ça va être plein de ces résidus. Euh, donc je suis désolé de vous annoncer ça, mais euh, bon, c'est comme ça. Bye.